Dans l'église au jour de son baptême pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Regarde aussi la peine de ses proches qu'il a confié en ta miséricorde. Ouvre-lui les portes de ton ciel
et viens en aide à chacun de nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'ange Marie-Louise Tister-Tikaya, entrez dans la maison de Dieu comme le jour de votre baptême. Amen.
Nous sommes réunis cet après-midi pour accompagner Madame Chister à sa dernière demande. À présent, veuillez vous asseoir afin d'écouter le mot prévu par la famille. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque émérite de Brazzaville, Monsieur le curé de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur, Messieurs les abbés, révérendes sœurs, chers paroissiens, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chères familles. Nous sommes très touchés par votre marque d'amour qui se traduit par votre présence en cette messe d'adieu de notre maman, Blanche Marie-Louise Tister Tikaya. Nous tenons à vous remercier pour votre gratitude et affection, de nous avoir aidés à supporter notre peine depuis le décès de celle que nous aimons, appelée affectueusement Maman Blanqui. Oui, notre maman avait choisi le Congo pour rester aux côtés de ses enfants, de sa famille d'adoption, de reposer aux côtés de son tendre époux, notre père, Jean-Pierre Tister Tikaya, dans la félicité éternelle. Elle aurait été ravie de vous voir aussi nombreux à être présent à ses côtés, elle qui a toujours été entourée par plusieurs personnes. Merci pour toutes vos marques de sympathie et tout simplement pour votre chaleureuse présence à nos côtés. Merci pour votre réconfort dans ces moments si douloureux. Notre sincère reconnaissance vous accompagne. Nous vous remercions. Tradition des signes du baptême. La lumière. Nous ranimons cette femme, frère de Blanche Marie-Louise Tister Tikaya dans le problème. Cette femme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Le vêtement blanc. Seigneur, regarde avec miséricorde Blanche Marie-Louise Tister Tikaya et apporter ses vêtements signes de vie et de joie dans ton amitié. Qu'elle se présente de vos doigts avec les vêtements de fête et de amis. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Blanche Marie-Louise Tister Tikaya et pour chacun de nous. Fleurs.
comme les mots nous montrent. Les pleurs que nous offrons disent l'amour, l'affection, la tendresse qui habite notre cœur. Blanche Marie-Louise Tister-Tsoukaya, avec ses pleurs, c'est toute l'affection pour toi que nous apportons. Notre merci pour tout ce que tu nous as transmis, des valeurs pour construire notre vie, de la joie et de l'amour à profusion. Mesdames et messieurs, Monsieur Pascal, Monsieur Madame de la Résurrection, en reconnaissant que nous avons réussi. Je confesse à Dieu tout-puissant.
notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde-nous ta bonté à ta servante Blanche Marie-Louise, qui s'est endormie dans le Christ. La joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur.
le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 2, le verset 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez l'eau, les jarres, et il les remplit jusqu'au bout. » Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Excellences, Monsieur le Premier ministre et Madame, Excellences, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque émérite de Brazzaville, du haut de vos 40 ans d'épiscopat, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, honorables députés, chères autorités en vos rangs, grades et qualités hautement distingués, chers confrères et vénérés confrères dans le sacerdoce ministériel, chers prêtres religieux et religieuses, chers membres de notre famille naturelle, chers membres du peuple de Dieu, les noces de Cana, une vie vouée au prochain, car dans l'amour l'autre est premier. Il m'arrive de rêver quand je suis là, d'un ami que j'ai rencontré, que j'ai aimé, et qui s'en est allé. Je me demande si un jour nous nous retrouverons, le jour où le soleil s'élèvera. Et dans le brouillard de ma vie, le doute me séduit. Je ne comprends plus rien, mais je veux voir. Et du fond de ma peine, renaît toujours l'espoir
mon étang qui attend cet amour infini pour des retrouvailles ultimes devant Dieu et devant les hommes. Je voulais remercier l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur. Bienvenue, Manamika Bafouakouaou, qui m'a demandé vendredi soir de rendre hommage à Maman Blanqui. J'ai obéi comme tout prêtre, mais j'ai rendu grâce à Dieu comme un fils qui rend hommage à sa mère. C'est un hommage ultime qui lui donnera désormais de se greffer sur l'éternité de celui qui seul sait combler le vide infini de nos cœurs. Les noces de Cana, nous sommes devant un tableau d'une situation triste. Ce sont des mariés. Ils ont invité des convives pour être heureux ensemble. Et brutalement, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de quoi continuer la fête. Et nous savons comment ça se passe chez nous. Après une fête, nous passons aux commentaires et surtout aux critiques. Imaginez-vous la mariée dans une situation aussi préoccupante. Elle est gênée devant ses amis, sa famille, parce qu'elle voit que sa fête est en train de battre de l'aile, et surtout, à partir des lendemains, elle sera la risée de tous. Et c'est là où Marie, qui est invitée comme tout autre, regarde et se rend compte que les mariés sont en très grande difficulté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit, elle prie. Elle se rend compte que non loin d'elle se trouve le Christ, le Maître et Sauveur de l'humanité. À ce moment, elle s'approche de lui et lui donne comme un mot d'ordre de foi. Ils n'ont plus de vin. La réponse du Christ est brutale, mais ce n'est pas grave. Elle n'en démord pas. Elle continue en disant, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Finalement, la foi de Marie a eu raison de cette situation et nous passons d'une situation délétère à une grande fête. Les mariés sont d'ailleurs étonnés de voir, de constater que le bon vin venait en retard. Ils ont même réagi, mais l'essentiel c'était la réussite de la fête. Dans cette dynamique de fête pour la vie, où dans l'amour l'autre est premier, nous avons tous et chacun à répondre de notre vocation première qui consiste simplement à aimer Dieu et à aimer son prochain. Oui, soufflez à l'oreille de Dieu, soufflez à notre propre oreille, soufflez aux oreilles des décideurs, soufflez aux oreilles des bienfaiteurs de l'humanité. Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de quoi se vêtir, ils n'ont plus de quoi se soigner, ils n'ont plus de quoi étudier. Ils n'ont plus de quoi subvenir à leurs besoins élémentaires. Ils n'ont plus de quoi vivre leur fraternité à ras de sol. Oui, la prière insistante et permanente crée naturellement le miracle de Dieu. C'est à ce moment où s'accomplit le miracle de Cana dans nos vies et dans nos cœurs, où nous bannissons ce que beaucoup, ce que appellerait sans le pape François,
la mondialisation de l'indifférence pour faire place à la fraternité universelle. Oui, frères et sœurs, les pas d'amour posés en faveur du prochain nous sont comptables devant Dieu et devant les hommes. Oui, être les gardiens de nos frères et sœurs pour créer le déclic de la toute-puissance de la prière qui n'est que l'expression de l'amour tout-puissant de Dieu pour nous. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, de cet amour même de Dieu, la prière te sera donnée. Frères et sœurs, ainsi donc, tant qu'une larme d'enfant tombera sur la terre, tant qu'une fille de joie pleure un bonheur perdu, tant qu'un homme enchaîné hurle sous la torture, j'en ferai mon affaire. J'y verrai mon péché et j'en serai solidaire. Du fond de ma honte, je crierai vers mon Dieu, qu'il garde de sa main tous mes frères. Tant que l'eau et l'orage affaiblissent les paysans, tant qu'un dernier village ne mange pas à sa faim, tant que s'installe sauvagement la haine dans ce monde, là encore j'en ferai mon affaire. J'y verrai mon péché et j'en serai solidaire. Du fond de ma honte, je crierai vers mon Dieu qu'il venge de sa main tous mes frères. Tant qu'une fille par sa mère est forcée d'avorter, tant qu'une femme est trompée, perd un bonheur perdu, tant qu'on vole la nuit le pagne de ma mère, j'en ferai mon affaire, j'y verrai mon péché et j'en serai solidaire. Du fond de ma honte, je crierai vers mon Dieu qu'il garde dans sa main, qu'il venge de sa main pour mes frères. Oui, frères et sœurs, célébrer la fête de Cana dans nos vies, c'est célébrer la vie du prochain. Le texte de Cana reflète bien la vie de Tantine Blanqui, une femme simple et humble. Son rang social n'a pas influencé sa manière d'être. Accessible à tous et à chacun. Imaginez-vous l'épouse de Jean-Pierre Tister-Tukaya assumer le protocole de son époux. Laissez-le passer, c'est le neveu de mon époux, c'est le neveu de Jean-Pierre. Après m'avoir installé et servi, elle m'écoutait. Ton oncle se repose, mais il sera bientôt là. Quand il sortait, il avait toute l'affiche de ma visite. Quel professionnalisme! Tonton était un homme pétillant de santé intellectuelle, grand politicien qui maîtrisait autant la langue de Molière, autant le vili, notre langue, avait besoin d'une épouse à la hauteur de ses ambitions et Dieu lui a donné Blanche Marie-Louise Durand, Tantine Blanqui. Oui, la simplicité de Tantine Blanqui nous inspirera toujours. Je me rappelle lors des passages de Tonton à Pointe-Noire avec son épouse Blanche. C'était une très grande fête en famille. Elle était logée chez Tonton Delphin, à quelques 5 minutes de la maison. Et quand Tonton et son épouse Blanche étaient invités à la maison,
notre pauvre maison était transformée en chantier. Oui, les menuisiers étaient là pour gratter les fauteuils, mettre du vernis, de l'encaustique, tout arrangé pour recevoir le tonton qui arrivait avec sa femme blanche. Maman, notre mère, Germaine Makuela Luemba, qui avait le même âge que maman Tantine Blanqui, avait préparé les vrais et les bons mets, parce qu'elle était cordon bleu en cuisine, formatrice des jeunes filles et garçons. Nous étions surpris de voir la blanche manger les plats de chez nous dans une simplicité qui nous a tous troublés. Elle s'était adaptée à la vie de son époux. Elle s'était adaptée à la vie de ce peuple qu'elle avait épousé. À la fin, elle était attirée par la nappe de table qui était présentée. Germaine, où as-tu trouvé cette nappe? Maman disait, écoutez, ça se fait ici chez nous. Mais par qui? Il dit, mais par mes enfants. Nous étions fiers de montrer à notre tante et à notre oncle de quoi nous étions capables. Faire le point de côté, le point de tige, remplir, croiser, remplir, point de quoi, ourler, nous avions appris. Et nous venions d'avoir une nouvelle cliente qui nous permettait de préparer la rentrée scolaire suivante. Mais c'est sa simplicité qui nous a marqués et qui nous marquera toujours. Je parlerai d'une femme de foi, une femme de grande foi. Oui, Tantine Blanqui a tenu grâce à sa foi. Comment pouvait-elle assumer tous les événements heureux et malheureux aux côtés de son époux, placé en premier rang de la révolution, si elle n'avait pas la foi? Si vous voulez chercher les gros dictionnaires de la vie du PCT, du RDPS, cherchez dans la vie de Tantine Blanqui. Elle a tout vécu. Elle a tout encaissé et finalement, elle a tout assumé. Elle a été l'expression de l'amour du prochain par amour. Elle a non seulement aimé son époux, elle a aimé ses enfants, elle a aussi aimé son environnement. Et cet amour leur a donné de pouvoir les confier à la protection divine du Dieu trois fois saint. Son mari prônait le marxisme-léninisme, mais elle a veillé à la foi de ses enfants. J'ai été à la première baptême, à la première communion de Patricia, à la catéchèse de Jean Pascal, à la rencontre des Boscovites à Brazzaville. J'ai ramené Jean Giscard, chrétien déjà, à Pointe-Noire. Ou quand papa le voyait, il me dit, mais cet enfant ressemble à mon papa, Jean Tister Tikaya. Et il s'est mis à pleurer parce que cet enfant avait ce qu'on appelle chez nous le chifouif, l'image de son père. Et c'était devenu son enfant chéri. Une femme travailleuse, elle ne s'est pas contentée à se rester à la maison, à profiter des avantages de la République. Elle a travaillé chaque matin et durement. Elle arrivait tôt au boulot, elle partait tard. Et dans sa mission d'enseignante, elle a réussi à embrasser chacune et chacun des enfants qu'on lui donnait d'encadrer. Ce n'était plus un métier, c'était une vocation pour elle. Travailler et aider tous autour d'elle et ses enfants naturels et les enfants adoptifs, d'avoir le sens du travail bien fait. Sans extravagance, mais elle a pu tenir la vie de sa famille, de son foyer, grâce aux fruits de son travail. Parlons finalement de l'amour de Tantine Bena.
qui a été au centre de sa vie. Elle avait Dieu, elle a aimé Dieu, je disais, elle a aimé son époux. Mal envers et tout et contre tout, envers et contre tout saint. Elle a aimé ses enfants naturels et ses enfants adoptifs. Son école était un creuset d'initiation à la vie. Ah, les pensionnaires. Beaucoup de cadres aujourd'hui de Brazzaville doivent leur réussite à Maman Francky Blanqui. Beaucoup de jeunes, l'abbé Adrien est là, il est témoin, Bakantou. Il y avait 15 à 25 pensionnaires chaque année, des parents qui ne pouvaient pas payer. Elle prenait cela sur elle. Malgré les conseils des comptables, elle n'a pas pu déroger à la règle de l'amour. Et pire encore, elle s'était fait un salaire qui ne durait que 2 jours, parce qu'elle avait le temps de regarder le pauvre, le mal-aimé, le laisser pour contre, le reléguer à l'arrière-boutique. J'espère que l'abbé Adrien aura le temps à Pointe-Noire de venir rendre hommage à Maman Blanqui pour tous les temps forts vécus ensemble. C'était pour elle la manière de célébrer la fête de Cana à travers toutes les personnes que Dieu lui donnait de rencontrer. Tantine Blanqui a aimé le Congo. Très jeune et belle, elle quitte sa France natale pour se faire congolaise avec les Congolais. Elle a aimé le Congo dans ses moments de joie, de peine, d'incertitude, de grande peur, de mutations sociopolitiques, de grandes tristesses sociales et aussi de grandes victoires. Elle a été, il faut le dire, un héros politique dans l'ombre, autant pour le Parti Congolais du Travail que pour le RDPS. Tantine a opté pour le Congo et a emprunté la voie de non-retour. Elle reposera enfin chez elle en Bouko, terre de ses ancêtres d'adoption. Elle n'ira plus au nous, le nous, où nous pouvions, à partir de Montparnasse, aller visiter tonton et son épouse, ou avec papa Tati Raphaël faire la route pour aller le raccompagner tard dans la nuit. Elle sera juste à côté, en Bouko, à 2 ou 3 mètres de notre maison familiale, où nous pouvons désormais entretenir sa tombe et nous souvenir d'elle. Ainsi s'éteint une perle rare. La race des femmes politiques, les vraies femmes politiques, dans la simplicité, l'humilité, le travail bien fait, le respect de Dieu et du prochain, et le respect du bien commun. On peut dire, sans nous tromper, en pensant à Tantine Blanqui, que derrière un grand homme existe naturellement une très grande femme. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en vivant ce texte des noces de Cana, que chacun de nous, moi le premier, revisite sa vie pour savoir que nous sommes là comme des guetteurs capables d'alléger les souffrances, les misères de nos frères. C'est un engagement chrétien, c'est une vocation pour tous et pour chacun de nous d'être des bienfaiteurs et bienfaitrices de l'humanité. Si nous avons aimé Tantine Blanqui, c'est le moment ou jamais d'essayer de prendre référence à elle. Comme disait l'abbé Atelier tout à l'heure, c'était une sainte femme qui a vécu beaucoup de souffrances, mais qui a tenu au nom de l'amour et au nom de sa foi. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de vivre cette métanoïa profonde qui nous donne de repartir à notre vocation première, qui est celle de contribuer autant que faire se peut
à la célébration d'une belle fête de Cana dans la vie de nos frères et sœurs. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Invoquons-le avec foi pour le salut des vivants et des morts, particulièrement pour le salut de l'ange de la Église. Nous afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, supplions le Seigneur. Maman Louise, Marie-Louise qui nous a quittés. Seigneur, toi qui as donné la lumière du jour, tu nous as fait non pour la mort, mais pour la vie. Accorde-lui la vie en plénitude, près de toi. Ensemble, supplions le Seigneur. Les familles biologiques et spirituelles, notamment la famille du Sacré-Cœur de Jésus, qui sont affectées par le rappel à Dieu de leurs sœurs, mères et grand-mères. Donne-leur, Seigneur, de marcher avec courage sur la route de la vie, qu'elles trouvent auprès d'elles des amis qui leur tiennent fraternellement la main. Ensemble, supplions le Seigneur. Ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, supplions le Seigneur.
besoin de secours, Seigneur. Délivre-les de tous leurs péchés. Et donne la grâce à l'Église d'avoir part à ta rédemption par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante Blanche Marie-Louise, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un Sauveur plein de tendresse. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque bienvenu, Monseigneur Anatole Milandou qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de Blanche Marie-Louise, Tantine Blanqui, ta servante qui a quitté ce monde, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur la famille éplorée, sur le tout sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est notre Père. Il est le Père de tous les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute race. Unis dans l'Esprit de Jésus ressuscité, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, l'épreuve de la mort. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde seulement la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
mais dit seulement une parole, et je sais. Blanche Marie, qui est présentée ici, qui demande la
Et après, ce sera le corps.